Apothéose d'un très grand concours, cette soirée de gala, organisée par le syndicat d'initiative de la ville de Bruxelles, est honorée de la présence de leur majesté la reine Elisabeth, le roi Baudouin et la reine Fabiola, ainsi que des princes de Liège. C'est le public des grands soirs qui emplit jusque dans ses ultimes recoins la salle du Palais des Beaux-Arts. Ceci est bien compréhensible car le concours de piano reine Elisabeth 64 a été si passionnant. Il a réuni une telle élite de jeunes instrumentistes, tant de l'Ouest que de l'Est, qu'il a attiré l'attention de tous ceux dans le monde qui s'intéressent à l'art. En ce moment, le public applaudit leur majesté. Dans la loge royale. Mais rappelons brièvement, en attendant l'entrée du soliste et du chef d'orchestre, que 65 pianistes de 26 nationalités se sont présentés à la première épreuve éliminatoire. Parmi ces musiciens, nombre d'entre eux étaient déjà des interprètes renommés et pouvaient compter parmi les vainqueurs possibles de cette terrible compétition. Citons par exemple l'Américain Anton Querty, prix Leventry, le Soviétique Nikolaï Petrov, deuxième prix au concours Bad Cliburn, et bien d'autres. Mais au cours des deux épreuves de sélection, on vit s'affirmer comme un redoutable concurrent pour ses champions, un tout jeune soviétique de 18 ans et demi, Evgeny Mogilevsky, élève en première année au conservatoire de Moscou, dont c'était la première apparition dans un concours international. D'aspect fragile et timide, mais doué d'une magnifique technique et d'une résistance étonnante à la fatigue, il captivait l'attention par une extraordinaire musicalité naturelle qui lui permet d'aborder avec un égal bonheur les grandes œuvres, les sommets de la musique, par exemple la sonate opus 111 de Beethoven, ou bien de jouer avec brio et une élégance si subtile les œuvres de virtuosité que celle-ci semble transformer sous ses doigts. En finale, Evgeny Mogilevsky se surpasse. Il est de la race des grands interprètes, de ceux pour qui la difficulté de l'épreuve, la fatigue, la présence du public et d'un jury, au lieu d'amoindrir leurs facultés, les sublime. Véritable révélation de ce concours, on ne peut douter qu'une brillante carrière attende ce jeune garçon qui, très humblement, après son extraordinaire succès, déclare qu'il va retourner au conservatoire de Moscou pour achever les 4 années d'études qu'il lui reste à faire. Né le 16 septembre 1945 à Odessa, Evgeny Mogilevsky est le fils d'une remarquable pianiste qui fut l'élève du professeur Neuhaus au conservatoire de Moscou, où elle obtint un premier prix en 1941. C'est dans la classe de ce même maître que le petit Evgeny poursuit ses études actuellement. Professeur au conservatoire d'Odessa, c'est Madame Mogilevska qui se chargea de toute l'éducation musicale de son fils, depuis l'âge de 6 ans et jusqu'à l'année dernière. Il faut signaler que le père de notre premier lauréat est également professeur de piano au conservatoire d'Odessa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que Evgeny Mogilevsky se présente à un concours international et c'est aussi la première fois qu'il voyage à l'étranger. Jusqu'à présent, il n'avait donné que 7 récitals et n'avait jamais joué avec orchestre. En s'attaquant pour son coup d'essai redoutable 3e concerto de Rachmaninoff, il prenait un très grand risque. Mais ce risque, nous savons qu'il l'avait vaincu, et nous allons donc l'écouter jouer ce concerto de son concours, le 3e concerto de Rachmaninoff, qui comprend 3 mouvements, qui sont Allegro ma non tanto, Intermezzo adagio, qui s'enchaînent au final à la brève.